Alors Bernard Lévy, bonsoir. Bonsoir. Tu publies le numéro 1 d'une revue qui s'appelle La règle du jeu. Je ne suis pas seul dans cette histoire. Ouais, vous êtes un certain nombre, il faut bien le dire. Il y a Scarpetta, il y a Angevin, il y a tout un comité de rédaction qui dirige cette revue avec moi. Alors, l'ambition de La règle du jeu, c'est de penser le post-communisme, parce qu'au-delà de l'écroulement d'un régime, c'est une civilisation qui meurt d'une certaine façon. Et donc, non pas de combler le vide, mais au moins de l'explorer, quoi, c'est ça. Oui, moi je crois qu'on est en train de, sortir du communisme et que des sorties, il y a des bonnes sorties et des mauvaises sorties. Il y a des vraies sorties, il y a des fausses sorties. Mmh. Alors, type de mauvaise sortie par exemple, ce serait un déferlement de xénophobie, de tribalisme ou de racisme, comme on voit dans un certain nombre de pays de l'Est et comme on voit même en France. Mmh. Bonne sortie, ce serait la démocratie, le libéralisme, une vraie culture cosmopolite. Moi, je suis un écrivain cosmopolite. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu. Il y a un regret dans ce que tu écris en ce moment pour l'Empire austro-hongrois. Sans être un... Moi, je suis pas royaliste. Ouais. Mais je crois néanmoins que, oui, l'Empire austro-hongrois avait le mérite d'établir une espèce de transcendance de la citoyenneté qui permettait d'économiser tout un tas de petites saloperies tribales, racistes, xénophobes et tout ça. Je veux dire, avant 14, avant, on était certes croates, serbes, polonais, slovaques, etc. Mais on était en plus autre chose qui était citoyen de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire citoyen d'une idée. Tu le regrettes, l'empereur d'Autriche? Oui, mais c'est pas tellement moi qui le regrette. C'est que je crois que tous les gens bien de ces pays-là, Václav Havel en Tchécoslovaquie, Georgi Konrad en Hongrie, tous les vrais démocrates des pays de l'Est regrettent ce temps-là. Oui, ils disent tous que, enfin, ils s'orientent vers des solutions de fédération, d'association d'États qui ressembleront d'une certaine manière à ce qu'était l'Empire austro-hongrois. Je crois que c'est la nostalgie majeure. C'est une bonne nouvelle. Alors, en quoi la règle du jeu... Ça me fait énormément plaisir d'entendre dire ça, oui. En quoi la règle du jeu peut aider tous ces pays de l'Est à faire une bonne sortie du communisme? Écoute, la règle du jeu, les intellectuels ne servent pas à grand-chose, la littérature, rien d'autre que la littérature. Je crois néanmoins qu'il y a une bataille d'idées en ce moment dans les pays de l'Est, une bataille idéologique entre deux... Il y a deux lignes, ou si tu préfères, deux Europes qui sont en train de se combattre dans une espèce de corps à corps qui est, je crois, très dur. L'un de mes interlocuteurs en Pologne, qui est Adam Michnik, me parlait même d'une énorme affaire Dreyfus à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. Qui dit bataille d'idées dit rôle des idées. Je crois que les producteurs d'idées, les gens qui font métier de pensée, peuvent essayer de peser dans le bon sens. Moi, je pense par exemple qu'en Pologne ou en Hongrie, où il y a une vraie bataille entre les cosmopolites et les autres, on peut renforcer les cosmopolites, on peut leur apporter d'abord notre amitié, ce qui leur fera une belle jambe, mais accessoirement, votre soutien moral, les gens. Un peu plus, on peut organiser des choses, la règle du jeu ira. Il ira en Hongrie, par exemple, il ira à Budapest, on fera des choses avec eux, etc. Alors, sortir du communisme, et puis deuxième ambition de la règle du jeu, le droit de l'hommisme, ça suffit plus aujourd'hui face aux enjeux. Et par quoi le remplacer? Alors, ce droit de l'hommisme qui était devenu quand même le nec plus ultra de la pensée française depuis une dizaine d'années. Oui, ça suffit plus, ça veut dire en effet que c'est un peu court, je crois qu'on ne peut pas répondre. Il y a des problèmes énormes qui se posent aujourd'hui en Europe de l'Est, mais aussi en France. Hein, et parce qu'on donne beaucoup de leçons aux Européens de l'Est, faudrait qu'on... Peut-être faire une revue, tu diras, pour la France dans les pays de l'Est. Je crois qu'il ne suffit pas d'annonner droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser. Ah bon? Si je le savais, je ne ferais pas une revue. Si je le savais, je ferais un c'est livre. C'est pour trouver que tu fais la revue. C'est pour trouver. Et pour trouver, parce que si je fais une revue, c'est parce que je pense que ça prendra du temps. Et une revue, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée. J'espère que tu le sais. Bah oui, j'espère que ça sera le cas de la nôtre, si c'est ce que tu veux dire. Voilà. Alors, tu as dit, la fonction des intellectuels, c'est de produire du complexe. C'est pas de simplifier, c'est de complexifier. Alors, à ce qu'on dit toujours, Pardon ? Contrairement à ce qu'on croit toujours. Voilà. Alors là, je vais te poser des questions simples, et j'espère que tu vas pas trop complexifier. Alors, si je te dis Mao Tse-tung, qu'est-ce que tu me dis? Je dis une très très vieille histoire. Ouais. Un peu de ma jeunesse et en même temps une histoire terminée. Une autre époque. Je veux dire, ça consistait en quoi d'être Mao ou maoïste? On pensait quoi? Il y a deux choses. Il y a d'abord les gens qui étaient des militants Mao, c'est-à-dire qui militaient au sein d'une organisation qui s'appelait la gauche prolétarienne. Bon, ça, j'en ai jamais été. Bon, des gens comme Julie, comme Jean Bay, comme Lardreau, d'autres étaient à la gauche prolétarienne. C'était pas mon cas. Rondeau devait être à la gauche prolétarienne. Moi, j'ai jamais été là-dedans. En revanche, je crois, oui, que quand j'avais 17, 18 et 20 ans, j'étais dans cette mouvance-là. Je pensais un peu comme ça.
Mais ça paraît encore une fois, ça me paraît être le 19e siècle. Mais d'accord, mais parlons-en, parce que c'est pas le 19e siècle. Ça consistait en quoi ? Ça consistait à croire qu'on pouvait changer l'homme en ce qu'il avait de plus profond. Mm-hmm. C'était le slogan de l'époque. Mm-hmm. Ça consistait à croire qu'on pouvait casser en deux l'histoire du monde. Mm-hmm. C'est ce que disait Mao en Chine et c'est ce que nous répétions, nous, ici. On pensait, mm-hmm, en effet, qu'on pouvait... Enfin, les Mao pensaient qu'ils pouvaient en finir avec l'histoire du malheur, avec l'histoire de la... avec la mort, enfin avec la mort non, mais avec l'histoire du malheur en tout cas. Et le fait de t'être trompé à l'époque, depuis chaque fois que tu as émis des idées, tu t'es pas dit peut-être que je suis encore en train de me tromper ? Je me le dis tout le temps, oui. Moi je fais partie des gens qui disent, même lorsque j'ai l'air dogmatique, ouais, péremptoire, etc., je fais partie des gens qui se disent, oui bien sûr, je pourrais me tromper. Gorbatchev. Ça, c'est pas le 19e siècle, ça c'est maintenant. Ce qui m'agace avec Gorbatchev, c'est cette espèce de réflexe midinette qu'ont un peu les journalistes et les occidentaux, ouais, les gorbimaniacs. Ouais. Oui, moi je crois que Gorbatchev, c'est autre chose. C'est une entreprise tout à fait étrange, assez atypique, unique, me semble-t-il, dans l'histoire des 70 dernières années, qui est de sortir du communisme tout en conservant le parti. Mmh. Il faut l'aider, tu crois ? Je crois qu'il faut l'aider, oui. Ouais. Je crois qu'il faut l'aider, mais pas à n'importe quel prix. Chez les pays baltes, par exemple, ils ne sont pas d'accord. Je dis bien pas à n'importe quel prix. Il ne s'agit pas de donner, on a suffisamment donné de blanc-seing à d'autres, on ne va pas en donner à Gorbatchev, bien sûr. Arafat. Arafat, je... C'est quelqu'un pour lequel j'ai pas une passion, soyons francs. Hein. C'est quelqu'un qui, et pas seulement pour les raisons que tu pourrais croire ou qu'on pourrait croire, c'est quelqu'un qui a soutenu à l'époque l'intervention russe en Afghanistan, c'est quelqu'un qui a soutenu Jaruzelski à la pire époque, c'est quelqu'un qui a à peu près toujours pris le mauvais parti dans les grandes affaires du monde. Cela dit, moi je suis de ceux qui, depuis des années et des années, je le dis en Israël même, pensent qu'il faut négocier avec lui. Comme tu dis, on négocie avec ses ennemis, de toute façon. On négocie avec ses adversaires. Quand tu vois les drapeaux israéliens, la manifestation pour Carpentras, tu penses quoi, toi ? Je pense que c'est très con. Le Pen ? Le Pen, pour moi, c'est un voyou, un tortionnaire et un fasciste. Mmh. Et puis c'est tout. Mmh. Tu crois qu'il faut le rendre inéligible ? Non, je crois pas qu'il faut le rendre inéligible. Je pense qu'il faut le rendre infréquentable, ce qui est différent. Mmh. Jean-Marie Domenac. Ah, ça c'est... Il faut vraiment qu'on parle. Bah oui. Jean-Marie Domenac, c'est une histoire assez triste, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été mal, qui n'a pas été mal dans la résistance, qui a même été bien, enfin c'est un vrai résistant, et c'est quelqu'un qui est en train de très mal tourner. L'année dernière, il y a eu un vrai passage à l'acte antisémite, cette manière de se croire persécuté par les juifs, c'est à peu près ça, par les intellectuels juifs. Hein. Il a fait une espèce de petit délire comme ça sur la place publique, expliquant que des gens comme Wiesel, moi, je crois que j'étais dans le fourgon, Les dividendes d'Auschwitz, oui. Oui, bon, c'est ignoble. Ouais. C'est ignoble. Et c'est surtout triste parce que c'est en même temps, c'est probablement pas un intellectuel négligeable. Mais quand tu fais l'idéologie française et puis que tu dis finalement le péténisme c'est Giscard en haut, Coluche en bas, et puis quelques années après tu dis le socialisme à la française c'est le péténisme, je veux dire, ça veut dire que bon, la droite est péténiste, la gauche est péténiste, est-ce que tu suscites pas chez des gens comme Domenac une haine d'une certaine façon, parce qu'ils n'ont pas envie d'être foutus dans ce sac-là, parce qu'ils étaient résistants? J'ai jamais dit les choses tout à fait comme tu viens de les dire, avec un peu de rapidité. Non, j'ai dit en effet qu'il y avait beaucoup de péténisme en France, et qu'il y en avait souvent dans des endroits qu'on ne soupçonnait pas. Je crois en effet qu'il y a du péténisme à gauche. Forisson, moi j'ai pour règle de ne pas prononcer son nom. Je viens d'enfreindre la règle, parce que je crois que c'est à peu près aussi... Forisson, c'est même pas... Comment te dire, c'est à peu près aussi absurde, c'est à peu près aussi méprisable qu'un géographe qui dirait la mer Méditerranée n'existe pas. Oui, ou qu'un physicien qui dirait la théorie de la relativité, je m'assieds dessus. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive en disant Napoléon n'a jamais existé, par exemple, au bout de 2 minutes, le débat est clos. Donc pourquoi pas accepter le débat s'il est clos au bout de 2 minutes ? Parce que probablement, les gens qui ont pour métier d'organiser les débats, de les fomenter, ont sur cette question-là une once de perversité. Moi, je crois que l'affaire Forisson a commencé à se poser le jour où un journal a publié face à face, dans une grande et belle page, un article de Forisson et un article d'un anti-Forisson, comme si les deux thèses se valaient. Et là, je crois que le mal était fait. Jean-Édernalier, je dirais que c'est Maurice Sachs, sans le talent, sans le judaïsme, et heureusement pour nous, sans la collaboration et sans l'occupation allemande. Qu'est-ce qu'il lui reste alors ? Ben, il lui reste Maurice Sachs. Oui. Glucksmann. On s'est perdu de vue. Ouais. Je l'ai perdu de vue. Patrick Besson.
Patrick Besson, écoute, je ne connais pas bien. J'avais lu un livre, j'ai lu un livre de lui qui était le livre sur le roman sur Pushkin, mm-hmm. que j'avais trouvé bien. Mm-hmm. Beau roman. T'as rien contre lui ? Rien. T'es pas rancunier finalement. Pas très. Denis, ça dépend qui. Denis Tillinac. C'est la Corrèze, oui. Denis Tillinac, oui, moi je préfère encore la Zambèze au Corrèze. Le Zambèze à la Corrèze. Ouais. Ben voilà. Contrairement à lui. Morgan Sportes. Je sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Tu sais pas. J'ai jamais lu ses livres. Jamais lu ses livres. Mmh. Lui, il a lu les tiens, il les aime ouais. pas. Ben, écoute, très bien. Non, mais tu sais, chaque fois qu'on fait un bouton, les gens sont terribles. Mmh. Marc-Edouard Nab. Marc-Edouard Nab, j'ai lu un de ses livres. Mmh. Qui s'appelait Au régal des vermines. Mmh. Et ça, c'est un cas plus bizarre. Moi, je pense que le personnage est un... Comment te dire, sans être accusé d'être péremptoire. Je crois qu'il y a des choses qui sont infâmes dans ce livre et insupportables. Hein. Mmh. Cela dit, il n'est pas exclu que ce soit un écrivain. Mmh. Il n'est pas exclu que ce soit un écrivain. Non, et Bernard-Henri Lévy, c'est alors fini. Tu dirais quoi si tu étais là, en face, et que tu dois parler de lui? Je dirais que c'est un écrivain. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.